Moi, ça fait très longtemps que je fais des bêtises. Je fais des pastiches, des choses comme ça, même depuis que je suis tout petit. Il y a eu une affiche qui a été clé dans tout ce que j'ai fait, qui est Rasta Blanc. Tout de suite, il y a eu un engouement. Donc, ça m'a vraiment motivé à continuer. Il est marrant, mais je pense qu'on peut en faire un deuxième. Il y a des blagues qui n'ont pas été dites dessus. Alors j'embrasse très fort mon copain Gister qui m'a donné cette idée. En fait, il m'a dit qu'il voulait faire un truc sur les sidekicks, sur tous les gens qui sont derrière. J'ai toujours eu beaucoup d'inquiétude pour Jacob. Parce que je trouve vachement plus beau gosse que l'autre. Et qu'elle devrait se mettre avec Jacob. Il est chaud, il est sympa, il répare la moto. Il est trop cool, tu vois. Et le point chaud, je trouve qu'il est. Ça m'a étonné son succès. Parce que je trouve qu'il a un angle un peu étrange. Parce que d'une certaine manière, il y a des gens qui le prennent comme ça, comme un truc anti-woke. Et moi, je voulais que ce soit un truc contre CNews, contre des gens qui pètent des câbles contre les woke, sans aucun sens. Mais il y a eu une petite ambiguïté dans celui-là et j'aime bien être au bord de la falaise. C'est plus drôle.